Musique qui a peur de tout. Bonjour. Allez, c'est parti mon kiki. Oh merde, je dois recommencer là. Qui êtes-vous? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Combien êtes-vous? Nous sommes 19 à être encore opérationnels. Les autres ont été endommagés en fuyant leur maître. Beaucoup essayent d'atteindre Jericho. Peu y parviennent. Les humains n'ont aucune pitié pour nous. Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour vous? Les humains nous haïssent. Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. Je ne comprends pas. Je croyais que Jéricho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Peut-être que je n'ai jamais été libre. Que j'étais seulement ce que mon maître voulait que je sois. Maintenant, c'est à moi de décider qui je suis. Je voulais pas dire ça. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. C'est chiant, faut que je refasse tout. Oh non! J'ai envie de tout casser et... Les humains aussi ont peur de mourir. Sais-tu ce qu'il y a après la mort? Non. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Comment t'appelles-tu? Allô? Allô? Non, non. Alors, non, t'es bonne non. Cette tartine, Christophe? J'ai pas encore mangé. Pas mangé ta tartine? Je l'ai faite, mais j'ai pas encore mangé, j'étais en train de parler avec ma mère. Mais putain! Mais tu peux quitter le jeu, Quentin! Non, non, je fais un try contre mon Alatréon là. Dès que t'as fini. Léa, tu veux savoir mes décisions? Bah, ça dépend. Quoi? Bah, ça dépend parce que j'ai pas terminé le jeu. Ah, non, mais en fait, c'était une blague parce que j'ai pas lancé le jeu une seule fois. D'accord, ok. J'ai envie de te buter en fait. Ah d'accord, désolé. J'ai pas encore eu l'occasion parce qu'en fait je devais jouer à CS avec Quentin. D'accord. Du coup t'es en train de dire sûr. Que c'est à cause de Quentin du coup. Ouais, mais du coup si tu veux te vénère sur quelqu'un, service après-vente c'est Quentin. D'accord, ok. Ok. Oh non, Simple qui stream du Valorant. Mais hier elle a déjà streamé du Valorant. Du coup, t'as déjà fait juste le premier truc, quoi.
Bah je sais pas, ce que j'ai fait, en fait moi j'ai fait la démo, je sais pas où ça se place dans l'histoire. Bah c'est au début. Bah super, je me fais spoil. Ta gueule. Bah, mais bah, à quel moment? Mais c'est, ils vont pas te faire un truc de démo pour au final te mettre le truc de la fin. Le truc du début, c'est juste pour te tester en fait. C'est pas forcément le tout début du jeu, hein. Ça peut être, oui, sauf que là c'est un jeu à choix, Chris, donc ils vont pas te... Bah ça va niquer la, l'histoire s'ils te mettent le truc du milieu. Bah oui, bah réfléchis. Donc là ils t'ont mis le début et le début c'est un peu le... Genre, quand je vais relancer le jeu du coup je vais refaire cette scène-là, c'est genre vraiment... Oui, c'est ça. Mais c'est un peu le tuto quoi. Pour moi c'est un tuto genre. Bah je vais refaire exactement le même choix. D'accord. Que je veux que ma run soit comme j'aurais décidé de base, quoi. Ok. Bon, Christophe, je n'ai plus qu'une chance pour battre l'Atréon. Faire vite, comme ça. Quelle était ta fonction avant de... Bon, je vais muter pour manger. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ah ouais, d'accord, ok. Ah bon bah mauvais choix, allez. La plupart de ces androïdes sont en sale état. C'est comme ça que les humains... Mais putain, mais... Il est trop lent, personnage. Ils nous méprisent. Jamais ils ne nous accepteront. Qui a trouvé cet endroit? Quoi? Personne ne s'en souvient. Qui que ce soit, son corps est sûrement quelque part sur ce bateau. Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. D'accord, ok. Ah bah... Ok. J'ai pas fait ce que j'avais fait au début, quoi. Parce que je m'en souviens pas. J'en ai marre. Mais non... Bon, vous, vous parlez pas. C'est quoi ça? Caisse déjà vidée. Oh putain, j'en peux plus. Ok. Putain, je vais faire un sale truc, je sens. Je vais tout niquer. Lol, Chris, tu veux savoir mes choix MDR? Non merci, ça ira. Putain, j'ai loupé un truc là. Ah. Et bah tout le monde meurt, lol. Ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la... Le héros meurt, on a qu'à son fils. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... C'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre? Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. Qu'est-ce qu'ils sont cons, tiens. Je peux pas faire de choix, là. Bonjour. Mais quoi, mais... Je suis mort. Ah, mais il me reste encore ça. C'est toi, Lucie? Assieds-toi.
Oula. Montre-moi. Oh mais ça m'énerve les QTE, putain. Mais ta mère, ça marche ça. En vrai, ce genre de jeu, tu peux même pas spoil vu que t'as pas la même trame que les autres. En fonction de tes choix. Oui et non quoi. Y'a des trucs des fois. Peu importe le choix que tu fais. Ouais. Genre moi au début je pensais que Connor était mort quoi. Non mais Léa. Par contre t'as pas intérêt de... Bah je te parle du début. Que t'avais plusieurs choix. Ouais. Bah... Je t'ai dit merde, j'ai déjà tué le perso quoi. Bah en fait je me suis sacrifié genre tu sais j'ai... Ouais j'ai vu. J'ai couru quoi. J'ai couru, j'ai poussé le monsieur avec moi. Voilà. Mais en fait... Alors que putain, pendant que t'étais en live, je t'ai spammé, utilise le gun. Et quand on pouvait faire les choix, j'ai dit... Mais oui, mais parce que en fait, j'avais déjà vu des choix sur le premier truc et du coup, je voulais tester. En fait, je voulais tester pour sauver tout le monde, en fait, les trois. Bah, voilà. Ah, les trois, genre pas tuer le mec, c'est possible? Bah, je pense. Attends deux secondes. Mais qui me parle et après me dit attends. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Non mais TG toi putain. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu? Tes choix forgeront ton destin. Arp. Non, sans blague, j'avais pas compris depuis le début. Tes choix forgeront ton destin. Oui, merci, bravo. T'as compris le but du jeu. GG. Je dois y aller. Ça imagine plus tard, Quentin. Super. Ok. Je sais où on peut trouver des pièces. Du coup, tu peux encore battre des monstres. Il y a tout ce qu'on cherche. Genre avant 22h. Les caisses sont surveillées. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Yes, on m'aime. Ok. Je te suis. Oh là là, je sens les QTE de merde. Ah. Ah bah j'ai tout fait, yes. Marcus a élaboré un plan, bah... Pas trop le choix, hein. On est arrivé.
Vous êtes Zlatko? Pourquoi? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez! On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Allez, entrez. Ne soyez pas timide. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames ? Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi ? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein ? Et elle ? Elle est humaine. Et vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie. Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur, et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider, mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur ? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien, et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec moi. Bien sûr. Suivez-moi. Tout mon matériel est au sous-sol. J'ai peur. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va, j'ai un mauvais pressentiment. Il est un peu bizarre, mais je pense qu'on peut lui faire confiance. On n'a pas vraiment le choix, de toute façon. Excusez-moi pour le bazar. J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégal, alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mieux. Par ici, je vous en prie. J'ai peur. Oula. Si tu veux bien monter là-dessus. Et là. Dingue. Oh putain. Je vais être honnête. Oh le casse-bon. Mmh.
Avec moi. Ce qui est étrange. Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formaté! Laissez-moi! Kara! Ah! J'avais oublié la gamine. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice! Non, Alice, non! Eh bien, une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Putain de merde. Fuck de shit. Qu'est-ce que je peux faire? Y a un truc que je peux faire ou pas? Wouah! Putain, mais c'était tellement au gramme près l'essence que. Quand je suis arrivé à la ligne d'arrivée, juste avant, dans les larmes, le moteur la déception. C'est fou, hein. Crois-moi. Impressionnant, dit. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus de... d'espoir brisé. Je t'envierai presque. Kara. Oh, pauvre petit. Putain, de casse-cul. Oh. On dirait que ta maman. Écu de chêne. Plus de toi, hein. Oh, elle t'a complètement oublié. Kara, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, allez, ça suffit, viens. Non. Tu m'as mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Kara, réveille-toi, Kara. Laisse-moi. Rejoins-moi dans le salon. Fuck this shit. Comment je fais ça? Putain, allez! Mais comment je fais là? Putain, je suis trop nulle. Oh yes. Allez, lève-toi.
Non, ta mère. Il aime jouer avec moi. Il crée des monstres. Juste pour s'amuser. Oh merde. Il est un vrai monstre. Regarde ce qu'il nous a fait. Pourquoi j'ai fait ça? Y'a rien, ok, on s'en branle. Cours, t'es grand mort. Non. Ok, super, trop bien, je suis trop heureuse. Mais ça me stresse, elle est où? Mais il est monté. Faut que je monte? Oh, je sais pas quoi faire. Allez, de secours, je vais me barrer sans la petite. Elle va pas être toute seule dehors. Je sais pas. J'ai envie de recommencer. Mais c'est chiant la caméra là. Alice est à l'intérieur, ok. Super. Non, j'ai 10 minutes là. Bah ouais, bah Alice est à l'intérieur, faut que je monte quoi. Je suis en stress total. Mais faut que je monte. Où est-ce que je suis là? Oh d'accord, ok, super. Mais attends, mais elle, je peux lui parler ou pas? Ah ok, d'accord. Non, je suis pas bien du tout. J'ai envie de tout casser. Attends, elle est où? Bah, attends, elle est où? C'est quoi ça? Elle est pas du tout ici. Ouais, je m'en branle.
Ok. Mais wesh, je la trouve pas. Mais elle est où? Mais ta mère! Je la trouve pas. Tout casser, je vais tout casser, je vais tout casser. Allez là. Alice. Cara. Cara, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en va, on s'en va. Je puis t'oublier. Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord? Terminé. Va chercher la petite. Très bien, Zlatko. Faut qu'on aille là, faut qu'on aille là. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Je vais jamais y arriver. Dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, putain, fais chier. Fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. QTE, QTE.
t'avais prévenu, hein. Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Bouge-toi de là! Non. Pas cette fois. Allez, bouge-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus! Comment oses-tu? Comment oses-tu? Oh yes. J'ai une bonne fin. Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé sortir? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Obéissez, je suis votre maître! Je suis votre maître! Je ne voulais pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle. Je oui, vous protégerai. Oui, oui, oui. Toi et la petite. Oui. Moi, je l'aime bien, cet androïde, donc on va lui faire confiance. Oui, non. Ok. Ah, je dois même pas faire la décision. Tout le monde lui fait confiance. Je dois même pas faire la décision, quoi. Alexandre le rigolo. Comment ça? Je sais pas. D'accord. Oh yes, tout le monde a réussi à 98% à avoir cette fin. Ça te fait plaisir de faire partie de la majorité? Ah, parce que je pouvais ne pas la trouver, quoi. T'aimes bien... être uniforme là, c'est ça? Mais il y a plein de trucs que je fais pas, hein. S'infiltrer dans la maison. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y avait toute cette partie là. Ah, mais au final, même cette partie là, on pouvait quand même. Ok. D'accord. Il y a des trucs, des fois, je comprends pas, hein. Oh non, je vais encore me faire des montres. Elle va me détester encore. Mais je suis pas mort là cette fois. Bonjour. Trouver Amanda, bah super. Vraiment que ça a foutre, quoi. Allez, là-bas. Bonjour, Amanda. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu? Félicitations, Connor. Tu as réussi à retrouver ce déviant, je t'écoute. Qu'as-tu appris? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles.
comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle R9. Quoi d'autre? J'ai trouvé son journal. Mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des semaines. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. C'est dommage que tu l'aies laissé s'autodétruire. Il était sous la garde du lieutenant Anderson. Je ne pouvais pas anticiper qu'il le laisserait s'échapper. Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Il semble avoir du mal à gérer la destruction et le remplacement d'un Connor. Je sais que les humains n'aiment pas affronter la perte. Ce sera difficile de travailler avec lui, si ça se reproduit. Nous devons agir rapidement. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. On course. Lieutenant Anderson. Il y a quelqu'un ? Pas passer là. Ok, il y a son chien. Du calme, Sumo, je suis ton ami. Tu vois, je connais ton nom. Je viens sauver ton maître. Ah oui. Scotch. Quoi? Par contre. Lieutenant. Debout, lieutenant. C'est moi, Connor.
Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, ça risque d'être un peu désagréable. Rendons une de mes deux. Dégage d'ici, putain. Je regrette, lieutenant, mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Oh, putain, mais dégage de chez moi. Trop sympa. Sumo, attaque. Bon chien. Attaque. Merde, j'ai envie de gerber. Ah, laisse-moi tranquille, sale con. J'ai pas l'intention de bouger. Mais qu'est-ce que tu fous, là? J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. C'est pour votre bien. Arrête ça tout de suite! Arrête ça! Qu'est-ce que tu fous ici, putain? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Oh, je dois être le seul flic de la Terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Oh, tu peux pas me laisser tranquille. Vous semblez avoir des problèmes personnels à résoudre. Vous devriez consulter un professionnel qui vous conseillera. Barre-toi, fous le camp chez moi. Allez, casse-toi. Je comprends. J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels. Cet homicide, là, qu'est-ce qu'on a comme info? Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. D'après le rapport, un androïde serait peut-être impliqué. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. Que voulez-vous porter ? Est-ce que ça va, lieutenant? Ouais. Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, ok? Bien sûr. Putain, mais pourquoi Chris il envoie ça? D'accord, ok. Je veux faire un petit café, non? Il veut pas un petit café là? Oh, super, il fait n'importe quoi. Tu te rends compte que c'est pas une bonne idée ça? Il va en mettre partout, ce con. Voilà. C'était sûr. Et remplis, et remplis là, remplis là. Hein? Tu vas pas la remplir. Je te demande de la remplir. S'il te plaît. Tu la remplis tout de suite, Alexandre. Oh putain. Oh putain. Mais non, mais en gros, il a... Il voulait se servir de l'eau de la carafe et... Enfin, tu sais, la carafe qu'on a achetée, là. Et genre, il, en fait, il faisait... Il, je sais pas ce qu'il faisait, il essayait de se servir, mais sans avoir posé le verre et tout, enfin...
Enfin, il voulait faire une catastrophe, quoi. L'eau ? Le thé ? T'as bu le thé ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pas net, Baptiste. Ah, mais j'ai peur si... Bah, c'est trop tard. Trop tard. Je me fiche de toi parce que le thé, on l'a pas bu. Bah oui, mais pour l'instant, j'ai pas envie de ça, j'ai le droit. Mais t'es pas net, Baptiste. Mais si, je suis pas net. Il est trop... Ah, ouais. Je serai pas long. Tu peux caresser, Sumo ? Ouais, bien sûr. Oh non, je peux pas le caresser. Pauvre petit chien. Appui maximal. J'ai que des médiums. Mais on parle du snap que Chris vient d'envoyer là ? Non, j'ai pas vu. Je sais pas, il a envoyé un snap genre. He's on the road. On the road again. Bon, voilà, mais bon, c'est un peu. Ouais. Oh là. Tout à fait, Thierry. In the world, Jack. Si nous attrapons les morts, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oh là là, encore des QTE, j'en peux plus. C'est là qu'il garde le sang bleu et toutes les pièces. Suivez-moi. On the road again. Je fais une crise cardiaque à chaque fois avec les QTE là. Autant que dans le parc tout à l'heure. Ah. Ah! Ah ouais! Non, mais ça me stresse. Je sais pas, je les suis moi. Ne vous faites pas repérer. Non, sans blague. Attention! D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais trouver un autre chemin. Alors il faut courir, Marcus, hein. À un moment donné, j'adore faire A. La queue le. Marcus, trappe là. Ah d'accord. Ah j'avais plusieurs choix. Et j'ai pas vu. Ah non. Ah si. Ah ça suffit. Oh putain. Excusez-moi. Putain j'aurais dû suivre l'autre parce qu'il est tout seul. Il va se casser, il va se tuer, ce fils de... Ah non, c'est bon, il est juste devant. Parle. Ah mais moi, je fais des trucs risqués, hein. Moi, je passe par des trucs dangereux, hein. Oula, il y a un drone, les gars. Putain, mais j'arrive pas, ça. Les entrepôts de Cyberlife. Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Tout va bien. Je m'en occupe. Détruire le drone, mais je fais comment? J'ai pas d'armes. Et c'est pas un... Ah oui, c'est vrai. C'est mieux, voilà. Ça, non? Je serais trop loin, ok. Non, Alexandre. Oh non, il y a qu'une balle, ce chien. Dur. Oh.
Christopher Bruls. Alors on a couru. J'ai été volé, j'ai été cambriolé chez William et je l'ai volé sur l'ordinateur. Ouais, c'est vrai. C'est pas vrai, par contre je passais devant chez William, mais il est en vacances. D'accord. Ça va? En fait, ouais, ce que j'ai dû faire, j'ai dû aller amener de l'alcool à ma sœur qui vient de souris. Mais. D'accord. Parce qu'il n'y avait pas assez d'alcool. Bah, je sais pas, elle se démerde, non? Bah, non. Putain. Super. On va dire deux mots, Mélanie. Hein. Fouillez les caisses, fouillez les caisses. Non, mais ta mère aussi, là. Et du coup, Quentin, ouais. Hein. Mais je peux pas fouiller. Je peux rien faire. T'es déjà sur le jeu? Bah, moi, je me traîne. Ah, ok. Mais je fais rien, là, monsieur. Je peux rien. Je peux rien faire! Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je peux rien faire, super. On me dit, fais ça. Hein? Ah, mais ils sont déjà sur. Ah, si, voilà, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme ça, tu peux rien faire sur CS, Quentin. Oh. Putain! Oui, toi? Tu sais pas, tu dis, je peux rien faire alors que t'es en train de jouer à CS. Ouais, mais non, mais. Pas dans ce sens-là, Christophe. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Tu files du mauvais coton, Christophe. Une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. Ouais, Phil, je le connais très bien. Phil, c'est un pote à moi qui joue à Pokémon Go. Où est-ce qu'il est encore passé? Ouais. Toi aussi. Ah, mais un trifrag. Virilité. J'ai besoin de ton aide. Ah. D'abord le drone et maintenant ça. Ok, poisse. T'es sur NBK, Quentin? Non. Tu veux pas venir sur NBK? Ce sera en et j'arrive. Ah, t'es sur un serveur. Finissons-en et filons en vitesse. C'est culte. Essayez de trouver du sang bleu. Là, ouais. On en a pas suffisamment. C'est pour nous. Ouais, bah. Mais c'est quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Ouais, je lag. Ça lag sur NBK. Ah. J'avais pas compris. Pas casqué. Hop. Hop, hop, hop. Ok. Il y a que des joueurs pros sur le serveur. Ouais, bah t'inquiète pas, il y en a un autre qui va arriver. Tu sais que je spawn, je me prends une tête. Je spawn, je me prends une tête. Genre, je me fais. J'ai même pas le temps de bouger, de tirer que je me prends une tête. Genre qu'il se fait gangbang. J'ai eu ça trois fois, genre. Je pouvais rien faire. Le gars était juste crosshair sur ma tête au moment où je spawnais. Bah, super Quentin. Pas de quoi. Merci de m'avoir tué de dos. J'ai pas de dos, t'es sur le côté. Ouais. Ou pente, la Wabgoose casse la tête. Hein. Ok. J'ai libéré les androïdes à l'aide au secours, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Mais Léa, stop spoil! Ah, tous les androïdes sont morts, Christophe. Merde. Oh non, mais Marie, Christophe. Du côté, Quentin. Ne comprends pas. On peut pas en prendre plus. Allons-y. Est-ce que tu comprends pas, Christophe? Bah, j'étais de côté, pourquoi tu. Emmenez-moi avec. Bah, parce que je t'ai enduit avec une autre personne et j'avais mon couteau en main. Il est avec eux, on ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous, on peut pas le laisser. On va faire du vélo rail ensemble. Ouais, bien sûr. T'as déjà fait du vélo sur rail, toi? Non, ça coûte trop cher. Ils ouais, viennent avec nous. Ça coûte 16€ pour une heure et demie. Je sais, vous pouvez trouver. What the fuck, bro, tu fais ça où? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour 2 minutes de plaisir. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs, ouais. Ils sont remplis de vieux composants. J'ai fait du vélo sur rail, c'était pas cher et c'était pas en temps. Mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Hein? Où est la clé? C'était en fonction, genre, c'était parcours, mais t'es pas limité par le temps. Ah mais t'es pas limité par le temps, mais genre ça fait à peu près une heure et demie. Ah oui, c'est le parcours. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir.
c'est du suicide. Mais c'est moins cher au fur et à mesure que tu prends plus de personnes. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces d'échange. Il y en a assez pour nous tous. What? Il n'y a pas de format groupe pour 8 personnes. Je pense pas, non. C'est pas des vélos une place. Non, c'est des vélos. Non. Ah, d'accord. Bah, Christophe, je comprends pas. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus, ferme sa gueule. Avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Non, chien. Putain de ta mère. Non. D'accord, ok. Il veut pas. Chien la voix. Mais non, il y a notre bot, Christophe. C'est pas le seul. Pardon ? Comment je peux faire ça ? Oh, c'est sérieux là ? Au bout de tout le monde ou quoi ? Il y a un mec qui joue la FAMAS quoi. Yes. Motiver le type. Comment ça? Comment je peux faire ça? Mais oh mais. Hii. Même derrière quand t'as jeté dessus, il y a la web qui te sauve. Ah bah j'ai vu ça. Tu t'es retourné et j'étais mort. Mais tu venais juste de spawn ou t'étais là depuis un petit moment? Allez. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un en fait, c'est pour ça que j'ai regardé. J'ai spawn, j'ai retourné à courir à ma gauche, j'ai tiré, je suis mort. Ouais, j'ai vu ça. Dommage, hein, pourtant j'étais le HP. Hein. Sérieux? Ouais. Putain, je suis deg. Une baby ball et. C'est mort quoi. Mais comment je fais? Non, monsieur, j'étais AFK. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi! Les ch'tis à Saint-Tropez. Christophe à Tropez Saint. Oh Thomas. Allez, go. Go, go, go. Tu l'as trouvé ? Je l'ai casqué. Casqué à travers la porte en mid. Oh le chien. D'accord. Vite, montez. Ah oh, parce que je l'ai vite. Merde. Ah, c'est pas ça que je voulais, mais bon. Pas jouer avec. Je vais prendre un Deagle, j'ai une AWAP. Non, c'est fini pour moi. C'est quand t'as une AWAP, c'est juste. C'est... It's over for you all. Non, je l'ai hit. J'avoue. Oh bah putain. Bah ça, c'est un bel objectif. Hein. Mon équipe m'a pris pour un 2B. Un 2B, hein. Un 2B. Un 2B, lui. Mon objectif de qualification, c'est 21ème sur 22. Ouais, bah, bon. Bien. Bonne chance, juste, faut pas terminer dernier, quoi. Bon, je dis, c'est bon.
Je suis venu à Jéricho parce que... Oh, il y a un petit coup de 10. J'espère que 22ème c'est mon coéquipier parce que sinon je suis vraiment une merde. Hein. Libre de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libre de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Ah dommage Christophe, je suis déjà parti. Quoi je peux... Mais je ne veux pas de cette liberté. Je t'ai pas vu. C'était pas Dumbledore en B. Ouais, bah, j'étais juste devant toi. Hein. Juste d'exister. Quoi, t'étais mid et t'es mort juste avant que j'arrive. Ouais, j'étais juste devant toi. Je ne sais pas pour vous, mais. Parce que moi j'ai juste vu un mec au fond de moi, je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Des fois, nous je mets des headshots, vivants. Gros, je comprends même pas comment je fais. Et nous sommes libres. La baisse rouillard, comme on dit. Oh, des fois, j'en prends aussi, je me dis le mec, il est... fort. Ouais, mon aim gratte, là, je suis désavantagé. Au début, j'avais compris, mon aim, il me gratte. Léa. Ça va ? Je te dérange pas ? Attention hein, attention Chris. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attention. Attention à quoi ? Attention. Attention parce que t'as le pouvoir de spoil, c'est ça ? Ouais. Ok, j'ai rien dit. Hank il est pédé. Putain. Hank déjà ? Non, moi je parle de celui dans Detroit. Sans blague. Que donne le rapport. LOL. Un quoi? Un play seat. C'est-à-dire? Un play seat. Oh putain. Je sais pas ce que c'est. Mais... une chaise de joueur ? Les androïdes ouais. Les plus sexy ouais, de la ville. Ouais, ça va chaise aussi. Pourquoi hein. T'as insisté pour qu'on vienne ? Ouais. Chaise de game. Oh, non. Oh, j'ai pas peur. Je... pas ça. Je sais pas si pas je peux me faire. Est-ce que je peux me faire ban ma chaîne Twitch ? Un playseat, c'est un truc où tu poses ton cul et où tu peux mettre ton volant et les pédales. Ah, oui, ok. Oh, c'est moi le pilote le plus rapide. Connor. J'arrive maintenant. Oh, oh, je vais me faire ban Twitch. Mais non, mais je suis en train de regarder le boule des mecs et je me fais engueuler. Oh, Fast and Furious. Ah, je peux partir là, je peux faire autre chose. Allez, c'est ciao. Moi je m'appelle Connor, allez, c'est je fais ce que je veux. Si j'ai envie de baiser des gens, je le fais. Moi qui t'ai tué, Christophe. Je sais pas ce que je fais là. Ah merde. J'ai tué Christophe. I kill you, Christophe. Il y a Nawak qui m'a tué de dos alors que j'étais en plein duel en no-scope across the map. C'est où ? Ah, c'est moi. Ah bah je suis revenu. Ah c'est là. Ah, bah revoir Christophe. Tu commences à te tirer dessus, je suis mort. Quentin, il a des cartes du corps sur la map, quand tu l'approches. Vous perdez votre temps. Encore un pervers qui avait pas le cœur bien accroché. Oh putain, un appelle Z-Boss dans le milieu. On va quand même jeter un œil. Un Z-Boss. Bon, pour moi, on peut lancer, hein, parce que je deviendrai pas plus fort. Tu commences à sentir l'alcool ici. Non, tu deviendras pas plus fort, non. Tout cassé. Tout à peine. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un androïde ? Oui. D'accord. Christophe, il veut essayer les sexbots. Christophe, hein. Il adore la baise. Comme dans Borderlands. Ah putain, dans Borderlands, c'était beau. Oh, ouais. Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais. Ah. Tu vas encore ah, oui. Faire gerber. On les appelle les bouches béantes. Oh ça va, je lèche du sang bleu, y'a quoi ? Ah ouais, elle est chaude chose, hein.
Il y a une hésitation sur le Mary Poppins. Elle est morte, monsieur. Allez, on s'en va. Putain, mais t'es... Mary Poppins est morte ? Mais c'est horrible. Mais non. Ah non, Christophe, pourquoi tu meurs ? Bernadette ? Oh bah monsieur, est-ce que vous êtes mort ? Je pense que oui. Mais non. Non, je te casse. Le petit Clio 4 d'Alexandre. Il a pris masse... Il a pris de la... du bon shit sa mère, là. Oh, du bon teuteux. Pas un pas de plus. Je vois un peu la est-ce qu'on va voir les scènes de cul ? Oh ! Il y a qui va se faire bad Twitch. C'est... Quentin, j'avais un HP. Okay. Ah bah maintenant j'en ai 16 quoi. Donc j'étais en mode de bizarre. Bah si, tu mets une 4. Bah non, j'ai une 4. J'ai vu les contusions. Bah et alors, t'as vu toutes les balles que j'ai loupées sur toi? Ouais, mais le truc c'est que quand j'ai un duel à 20 HP, je le prends pas de la même façon. Ouais, mais c'est tout dans le mental, Christophe, t'as pas un mental fort. Le truc c'est que quand t'as 20 HP, c'est mieux d'essayer d'être rapide et t'as moins de chance de toucher parce que t'as pas le temps de bien viser. Que si tu prends le temps de viser, t'es sûr d'être mort à 100%, tu vois. Si j'y arrive, ça ne tiendra qu'une minute. Ah, mais là, c'est pas... prendre le risque d'aller plus vite et de louper. C'est pas le fait de c'est pas le fait de prendre son temps, Christophe, c'est d'avoir du aim reflex. Qu'est-ce que... Okay. Bah salut, toi. Le truc, c'est que le aim reflex est forcément moins précis que... Oh non, Christophe. Prendre son temps. Bah... Oh putain... C'est trop loin, je vois presque pas. J'étais en mode, moi, j'ai plus de balles. J'ai fait 1, 2, 3, tout tape. Ça met la petite tête à contre. Attends, c'est toi qui m'aimes ça? Non. Ah, c'est moi, ouais. Ah, c'est moi, ouais. J'en ai marre de prendre des têtes avec. Ouais, c'est moi, moins 25 kilos. Nous voulons juste savoir ce qui s'est passé. Ouais, mais des balles dans le thorax. Tu pas les balles dans le thorax. Est-ce qu'il est mort? Quand t'es en duel et que t'as un avoc qui m'a tué de dos, mais genre. Ah, mais laisse-moi tranquille, Christophe. Pas le temps de me battre avec toi. Moi, j'ai vu une avoc dans le dos de quelqu'un, j'ai fait ok. Pas le temps de me battre, de faire la guéguerre. L'as-tu tué ? C'est toi vraiment là ? Ah ouais, c'est moi vraiment, ouais. Étiez-vous seul dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Juste mon plexus. Vas-y, Quentin, joue aussi au Deagle, comme ça si on se croise. Vas-y. De quel modèle était l'autre droïde ? De ressemblait-elle ? Vas-y, bah j'attends que ça. Moi aussi. I'm waiting you. Mais putain, Anouk. Ah, salut. Je suis une merde. Ah non, c'est pas toi. Ça s'est passé il y a environ une heure. Sympa, ça. Mais toi, tu rigoles, Chris. Non. Impossible qu'elle soit. Oh, mais c'était presque une tête, ça. 10 secondes, Christophe. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Attends de mettre une tête. Moi aussi. Toi, t'as de la chance. Ouf, toi, de la chance. Bon, bah, tant qu'on sait pas duel à Deagle, on peut pas quitter. Duel, même les coups fourrés dans le dos ? Non. Un vrai duel, quoi. Mid, c'est le pire endroit pour faire un duel parce que va juste être avec 40 personnes. Oh non, j'ai cliqué trop vite. J'ai pris un Sawed off. Bon, tant pis. Vous connaissiez la victime ? Non, enfin, il est venu deux ou trois fois, peut-être. C'est... Bienvenue sur le serveur match, sur le serveur deathmatch, front, nick, nick, nick. On va mettre des balises. Mais c'est Christophe, ça. Oh, c'est quand ? Non, le match ! Pas de but. Les badges. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? T'as trouvé un truc ? Peut-être bien. Moi, je suis au spawn terreau. Ah bah, j'arrive. Ah, laissez-moi tranquille. T'es vraiment un taré, Connor. On a mieux que ça. J'ai gagné, ouais, j'ai gagné le duel. Tu t'es accroupi, t'as gagné le duel en t'accroupissant. Bah, toi aussi, je t'ai accroupi, et pourtant... Ah ouais ? J'ai pas pris gaffe. Tu peux lancer ? T'as jamais fait si ton petit cheat ? Ouais. Erreur de gitan là. Bon, j'ai gagné Christophe, du coup je suis le meilleur joueur du monde. Ouais, bah je pense que j'étais top 1 maintenant, t'es passé top 1, ouais. C'est top 2. Ouais putain, top 2, top 2 sur 7. Tu y prends le titre. Putain merde. C'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais mais du coup ce sera pas toi. Mais du coup ce sera pas toi. Suivez-moi. Mais quoi, mais qu'est-ce que c'est que tous ces levels? Je vais être TK comme ça. Mais attends, mais on a step up là en fait. Hein. Mais juste, je vais faire péter le cul à un point. Je vais faire 0,15. Mais what? S'ils sont russes en plus. Oh non, ils ont tellement des ratios de ouf en face. Mais si le pote sur russe, gros, je vais me faire kick en fait.
Mais non, j'irai non. Mais what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que... Ah par contre, si c'est un Sweden ou un Netherlands... Je sais pas pourquoi les gens veulent jamais des serveurs français, hein. Peut-être une raison. Bah normal, comprendre. Enfin bien. Vraiment, les Allemands, c'est ceux qui sont au milieu, c'est les meilleurs et... Pourquoi y'a pas de serveur belge? Ah là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle a vu quelque chose. Moi, je pense que j'ai une petite idée, pourquoi y'a pas de serveur belge. La défiante, ouais, quittez la pièce. C'est comme... ouais. Bah, j'aime bien ton argumentation, je t'appelle. Tu m'as convaincu. On a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau mémoire. Votre jeu a changé des fichiers tiers. Ah, bon. Ah quand t'as qui est trusted par le jeu. Bon bah je peux pas jouer Christophe. Ah, mais hein, ça fait jour. Ouais ouais. Mais elle, qu'est-ce que je lui dis? Que vous avez changé d'avis. Désolé Christophe, je joue pas. Essayons celui-là. Quentin, tu pourras pas être purple, je suis désolé, toi y'a déjà quelqu'un qui l'a pris. Ben je pourrais pas être purple, chiant. Je comprends. Je te jure ça va aller Quentin, c'est pas grave. On va juste remettre du son du jeu. Ça... Son du jeu? Ouais, parce que j'avais plus le son du jeu moi. En MM, avoir le son, c'est juste. C'est... Casse les oreilles. Casse la tête. Il a vu la Tracy aux cheveux bleus. Je sais par où elle est. Oh, Quentin, t'es pas orange. Alors dépêche-toi. Ah, je suis vert. Il y a des androïdes. Ah, mais j'aurais pu être orange si le jeu m'avait pas fait. Sus. Oui. Bon, c'est parti pour faire péter la cul. Péter la cul. Putain, mais gros, il y a tellement des haut levels, c'est incroyable. Mort, ils m'ont tué. C'est Wedge. J'ai encore perdu sa trace. Ah ouais. J'ai dépensé. Il y avait genre 3 level 9 et un level 8, c'est ça? Level 9 et 8 avec nous et level 9 et 8 contre nous. Ah ouais, ok. Deux chocs. Et après, ça fait 7 ici, c'est nous, ça fait 7 ici 5. Ah oui, c'est moi le point faible. Ouais. Mais tu es le maillon faible. Pas non plus. Level 8, sûrement. Level 9, non. Mais non, mais non, mais level 8. Level 9, Quentin il tombe avec. Il l'a fait avec moi. C'est pas la meilleure idée que t'as eue. Bah. C'est pas moi qui décide. Ouah, excusez-moi. Parce qu'il a plus. Mais ouais, putain, mais. Bon, bah, du coup, on va voir ce qu'on vaut contre des level 9. Hein. Mais level 9, c'est genre plus global. Hein. Déjà, contre des global, j'ai pas envie de jouer. De la WAP en face, il m'a tué en se déplaçant à la WAP. Bah oui, tu peux. Oui, tu peux avoir de la méga chatte. Non, non, mais c'est en oscope ou pas? Non, 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 il était en train de scoper en se déplaçant. Ouais, bah c'est bon. T'es pas précis en se déplaçant. Ouais, enfin, t'es. Oui, mais c'était quand même une belle précision, quoi. Ouais, bah il était quand même rampe et moi c'était, quoi. Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de. Oh là, trop de gens. Soit ça, soit le lag. Après, ouais, peut-être que tu l'as pas vu s'arrêter. Ouais. Allez hop. Ah oh non, c'est pas moi qui l'ai vu. Oh, vas-y, je voulais le faire un TED. J'ai vu. Bien joué à toi, Christophe. L'android n'a rien vu. Oh là là, c'était une erreur quelque part. Hi mate. L'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Ah voilà. Oh non. Encore ça. Laissez-moi passer. Non mais... Ça j'ai mis 2x55. Alors Christophe j'ai mis 33, 88, 88 hein. Bah écoute Quentin, faut parler au mate alors. Ouais mais en fait tous ceux que j'ai touchés j'ai tué. Et le dernier j'ai juste mis un clic gauche, parce que j'avais pas le temps. Bah j'ai mis 2 right click, you know. Ouais bah moi j'ai mis les suceurs de toi, cul si tu fais pas des right click toi. Toi tu viens et tu les... Bah moi je fais clic gauche, clic droit. Can you repeat? Slow? L'android n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Arrête de faire une musique ou. Ok. Ouais. C'est toi, Pascal.
Mais arrête de regarder tes pieds en fait. One stairs, one jungle. La connecteur one. Putain, c'est chiant. Connecteur one stairs. Rien du tout. La Tressie aux cheveux bleus n'est pas passée par là. C'est méga relou. Putain, ils avaient genre 6 setups parfaits quoi. Ils étaient 3 en A. Ouais. Non, j'ai, mis, j'ai dû mettre que du bide. Voilà, 57 en 3. PM, PM ou pas? Last time we went out before the smoke. Quentin? Link, Serge. L'encroix, il n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Oh, j'ai déjà fait ça. Tous nerfs. One low HP. Non. Nice, quoi. Non. Le stat est là. J'ai encore perdu sa trace. Putain. Ouais, caché, hein. Oh la bonne. Putain, j'ai plus d'eau. Je sais où elle est allée. Suivez-moi. Oh, le blague. Good job. C'est un truc de dingue. Oh non, ça explose. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Nice force. I'm going under. One launch pin window. One short, fast. Merde, on arrive trop tard. Le triple one. Fuck. CD. City, left. Quentin, il y a une M4 window. Non, il y a une EK. Où ça? Bordel, regarde-les. EK window. Attends, ils sont tués trop vite. En bouche plaie! Can someone drop? Ah, mais c'est qui achète des leurres là? Ah, ouais, y'a un mec qui achète. Putain! En face avec lui. En face. Je déteste le mec qui achète des leurres. Ok, ok. Free connector. Our window. I will push connect there. Mais prends là. Merde. Ah mais... Going to push under.
tête, conne. Oh, je suis une connasse. Oh putain de merde. I saw it once, bad. Pourquoi? We don't have the bomb, guys. Pourquoi tu l'as tué? Ah, one mid window. Ah putain, it's jungle. Elle a rien fait. He jumped, he's mid out. Elle avait rien à voir avec tout ça. Putain, on a vraiment pas de chat. Ouais, putain, dommage. Je retourne mid pour aller prendre la bombe et le mec décale window ce moment-là. Out of time, I think. Quand cet homme a tué l'autre Tricia. Oh dommage qu'il vous ait détruit. J'ai su que j'étais la prochaine. Bah je me suis fait détruire de dos. Genre je mollo la window et je commence à sortir pour la mollo. Elle était séparée et le mec il était juste collé à la mollo prêt à ressortir. Je l'ai supplié d'arrêter mais il voulait pas. Oh putain. Alors il je me mets autour de son cou et j'ai serré jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Tu vas redonner une awap du coup. Tu vas redonner une awap c'est... C'est vrai, je l'ai tué. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour me défendre. Ouais, mais en même temps, si vous êtes pas tous morts en mille. Je voulais seulement vivre. Je voulais retrouver celle que j'aimais. I can smoke. Et oublier les humains. Bah, ça me fait bizarre, mais je dois faire un can smoke. Sueur et leurs obscénités. One is jungle, we hope, I think. Tu me l'as enlevé. Oh putain, tu as juste après. One is stairs or jungle, help. Putain. Dangereux ta pose là. Connector one. Ouais, regarde cette étoile pour l'instant. Quoi, je l'ai pas eu? Flashing? On en a ouais, Pepper, s'il te plaît. Oh, t'es mort. J'avais 27 HP, j'ai pas vu! Mais putain, mais t'es. On a ouais, Christophe! Le mec pas là, j'aurais peut-être pu le tuer. Ah non, mais c'est moi aussi, j'aurais dû mettre ma balle. Hein. C'est la première fois que je vois très, de la très rapide. Ah, smoking window. Ça nous ralentit. Smoking now. Wait. Mais au moins, on est sûr de ne pas croiser les right. Mains sur la route. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. We don't have the bomb, guys. I'm je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Et John, hop. Coming, Mr. Bomb. C'était. Ces gens que nous allons voir. Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Anomalie détectée. Balade d'urgence activée. Ce n'est pas bon signe. Il t'a une arche, we need to pause. Reste dans la voiture, Alice. Mmh.
Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs, Kara. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Tu vois quelque chose? Non. Nulle part où passer la nuit. Alex? Oui. Tu veux que je fasse une machine ou ça va aller pour l'instant? Car le danger peut venir de même. Attends quoi? J'aurais bien aimé quand même. D'accord. Yeah, yeah. He lost his connection, but I don't know where, when we will back.
For dead, nice. Le micro, enfin le ventilateur chez les. Ah merde. Chez toi, Léa ou. Pardon. Lex. Bah, je sais pas. You don't have time, nice. Well played, dude. Oh mec, j'ai fait double one tap, Quentin. Ouais, BG, Chris, BG, putain. Petite entrée de la porte, Christophe. Double entrée d'Eagle one tap, ça faisait plaisir. Oh, ah oui, parce que c'est moi qui ai planté la bombe. Putain, j'ai rien fait du round, j'ai planté la bombe et j'ai MVP. MVP, bien joué, Quentin. Parce que du coup, il y avait le mec à gauche qui. J'ai revenge pot. Et ensuite, la WAP qui se cachait dans la smoke. Sauf qu'il a dépassé de la smoke. Du coup, bah, one tap. Get one tapped. Short one. One short. One is jungle. One short maybe. Attends, je smoke window. Ah non, j'ai pas mal, j'ai peu mollet. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Il y a triple. Oh non. Oh oui, à ta droite. Ah bien. Wow. Oh mais il me toute. Oh fuck. Oh on va tous mordre le cou. Ouais, je suis mort du mec triple et le gars derrière moi est mort du mec short. Trop dommage. Yeah. One down window. Oh mais vas-y, je... ah, il met des balles dans le torse, du coup je blablabla. Le mec il nous attend juste en dessous de, du balcon, ouais. Avec une UMP. Tu peux rien faire. Là, moi j'ai sauté, je vais voir short, parce qu'il dit un faux short, mais il y avait personne du coup. Non, non, on n'a pas acheté, mais moi je pense que je peux acheter AK et racheter après. Et voilà. Avec toi. One is short. Ah non, it's no one in short. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Où ça? Ouais. Enfin, ça va, hein, j'ai full bait. Window one, marqué bait pour moi et les autres sont en train de me sucer. Sorry. Good job, team. De rien. Mais j'arrive pas à monter. Alice? Ramp, low HP, half-life. Tu peux le mollo, Quentin? Attends. Mollo-le ou quoi?
T'as du stuff en tout cas. Et il va sûrement se placer collecteur ou place. Ouais, fais gaffe, connect. Ton pote regarde rampe. Non, il regarde connect. Il regarde connect ton pote. Il regarde plus connect. Il smoke la rampe. Ça peut sortir connect. Hein. Oh, close! Complied. Ah, je parle pas à la mollo, qui est super. Est-ce que tu penses qu'on sera comment? Je sais pas comment faire, Alice. J'ai jamais fait ça. Mais on peut peut-être en créer une ensemble. Oh, sorry. Je être heureuse à notre façon. Allez, smoke jungle. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui. One is dark. Oh, upper dark. Allez, viens coucher. One is upper dark or dark, I don't know. Un flash. Cover me city, please. Voilà, un peu loin cette molo. Enfin, c'est de. Stairs one. Jungle and stairs. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Où ça? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver. Hein? Ah. Il était une fois une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Il était une fois une petite fille qui en avait assez d'avoir peur. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais elle était différente. Et ça la rendait très triste. Ah, ok. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille. Je suis pas là à ce moment encore. Qui était programmée pour obéir aux ordres, mais qui, pour une fois, pensait qu'elle devait désobéir. C'est pourquoi ils décidèrent de s'enfuir ensemble. City, scout. Pour trouver un endroit où elle serait. Oh non, en parlant dans la ligne du lave. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin. Oh non, la. Oh non, non. Mais les moulons. Mais elles restèrent ensemble. Et finir par tous les surmonter. One by one to the haut. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent. Ou alors ne pas aller en parler, mais c'est pas. Qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Ah, I'm playing B. Elle finit comment, elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve. Merci. Bon, bah, mon meilleur side terreau depuis longtemps. Les histoires se finissent toujours bien. Ça fristille. C'est parce qu'on s'étreigne quoi. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend devant. Ça va, Moussa? Out, out. Bah, vas-y. Oui. T'as eu peur? Oui, merci. Corneille. Il y avait qui est en jungle. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. Bomb for ramp. Oh, last ramp. Elle est très courageuse.
Est-ce que tu sais ce que tu veux? Hein? Tu peux te regarder sous ma tête, regarder Connect. Bah ouais, mais là je peux pas, je peux vraiment pas là. Moi je suis plus crosser. Bah c'est bon, tu peux, on pourra le faire demain, hein. Tu faisais le plus gros. Well played. Mais joué à Chris. C'est pas vraiment ça. T'as vu le mec que j'attendais dans le bac là? Qui a traversé la smoke? Oh là là, j'ai attendu 40 ans. Bien joué, bien joué. Avance là. Mon modèle a été conçu pour porter des chaussures. Ah oui, pas qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Kara. Nobody Palace. J'ai jamais rien remarqué de différent. One Biaps. Chez Alice. Non, de quoi tu veux parler? Hey. Good job. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquille. N'ayez pas peur. Le level 5 qui nous offre. Je rigole. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille. Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Regarde, ça va le downside. J'ai seulement une UMP, donc ça va pas être. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle. Alors il faut. Money sandwich. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Non. Ah, mais putain, j'ai mis 67 en 3, 85 en 4. La famasse. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. Ah, oh, putain. Ramp and Palace, fall out. Oh, il m'a tué, j'ai pas pu le temps d'être. Oh, le timing. One outside. Ils ont à chaque fois push l'endroit où on pouvait, on devait être visible de là, tu vois. Ah, mais le mec est jungle, là, au connecteur, je sais pas d'où il est venu, là, ce fils de pute. One more. Le bon équipe. On site. Oh non. Oui. J'ai vu. Je me suis éloigné et je pensais pas qu'elle allait tirer sur. One way. Ticket. Ticket. Ah, je savais qu'il allait lancer une HE parce qu'il m'avait vu, mais je pensais pas qu'elle allait être aussi loin, quoi. Je pensais qu'elle. On a vu du pote derrière toi. Et tu as vu ton cadavre faire piou. Ah, mais putain. Deg. Mais tu veux faire quoi? Je l'avais prédit qu'il allait avoir une HE, mais. Ouais, bah je le ferai deux secondes. Pas aussi profond. Tu l'avais pas prédit, ça pouvait oui. 5-9, c'est la puissance, quoi. D'accord, ok.
Oh, je lag, Quentin, rip, adieu. On y va.